Salut, alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil, d'un sujet très basique dans SketchUp, c'est les ombres. Vous savez, cet outil ici qui permet d'activer les ombres. Alors si vous ne l'avez pas, c'est clic droit, on va chercher l'outil ombre ou dans vos outils, enfin bref, de manière classique, c'est un outil qui est intégré à SketchUp. Et je vais vous montrer les petites spécificités de ça, les points positifs et négatifs que cet outil comporte, hein. Et puis comment faire autrement, s'en passer, dans SketchUp, et dans un deuxième temps, je vais vous montrer une extension donc pour vous en passer et faire autrement, et dans un troisième temps, je vais vous montrer toutes les subtilités de ça, du soleil et des ombres, dans Vray. Donc je verrai en fonction de la longueur de la vidéo, le temps que ça va me prendre, est-ce que je le fais dans une deuxième vidéo ou dans la même. En tout cas, je vais vous montrer à la fois dans SketchUp et dans Vray comment on paramètre le soleil. Il y a quand même des choses à dire malgré le côté basique du sujet. Donc premièrement, comment ça fonctionne? Si vous avez déjà essayé, c'est assez simple à comprendre. On a ici les mois de l'année, c'est une sorte de calendrier en fait. Là, j'active ou je désactive les ombres déjà avec le premier picto. Et ici, j'ai les mois de l'année. Quand je fais défiler, j'ai pas exactement le même éclairage suivant le mois de l'année. Pourquoi? Parce que ça va simuler l'ensoleillement et donc la Terre va pas être à la même position par rapport au Soleil au mois de mars et au mois d'août par exemple. Deuxième chose, on peut faire varier l'heure de la journée. Et bien là, c'est la rotation de la Terre, en fait, et donc le lever et le coucher de soleil que je vais pouvoir simuler. Alors ça, c'est super si vous voulez faire une sorte d'étude d'ensoleillement, c'est-à-dire vous voulez construire une maison ou simuler l'ensoleillement d'un appartement, d'une terrasse, que vous voulez. Ça vous permet de le faire assez précisément, mine de rien, c'est pas gadget, ça marche plutôt pas mal. Ça reprend les paramètres de position de où vous êtes situé sur la planète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes à Paris ou si vous êtes à Johannesburg ou à Sydney en Australie, vous n'allez pas avoir le même ensoleillement au même moment, enfin, au même mois, à la même heure. Ça va pas être pareil puisqu'on n'est pas positionné pareil sur la planète. Donc ça, on retrouve la géoposition. Vous allez dans Fenêtre, Info sur le modèle, Géoposition, et vous avez là, moi, mon modèle n'est pas géopositionné. On peut l'ajouter un emplacement avec la carte ou manuellement avec des coordonnées GPS. Donc moi, je suis, ça, c'est les coordonnées GPS de Paris, donc je suis géolocalisé à Paris. C'est donc le point positif pour moi et le seul à utiliser ce système-là, c'est-à-dire que je peux vraiment simuler l'ensoleillement que j'aurai à cet endroit-là, à cette heure-là, etc. Ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, si je veux faire quelque chose de plus intuitif et faire rentrer la lumière dans le soleil, dans ma construction, dans mon appart, mais à la main, j'ai envie de dire, hein, le placer un peu comme je veux, là, ça devient galère parce que si je prends un peu de recul et que je regarde ici les axes, je vois que l'axe vert ici, qui part vers le haut, il indique le nord. Ce qui veut dire que ma façade là, elle est orientée plein nord. Et tout le monde sait que le soleil est plein nord, il n'y en a pas trop. Donc si je voulais faire rentrer le soleil dans cet appartement, je pourrais pas. Là, je peux faire tout ce que je veux avec ça, je vais avoir beaucoup de mal. Sachant que là, il ne rentre pas. Si je mets le plafond, hop, je vais mettre le plafond, vous allez voir. Tac, 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 les balises, plafond. Voilà. Faut pas se tromper, ce qui rentre par les fenêtres, hein. Je peux bouger tant que je veux ici, même me mettre peut-être à midi, voilà, ça rentrera jamais, je suis plein nord. Donc là, le seul moyen de faire rentrer le soleil, ce serait de tourner toute la maison. Et imaginez que vous avez tous les meubles et tout dedans, il faut absolument tout tourner. Et donc de me placer ici, et là, effectivement, en bougeant l'heure de la journée, je vais pouvoir faire rentrer le soleil à l'intérieur. Il va me faire mentir, il est en train un petit peu de bugger. Bon. Voilà, là je fais rentrer le soleil à l'intérieur, ce que j'arrivais pas du tout à faire tout à l'heure quand j'étais plein nord. Voilà. Ok, je fais des CTRL Z, ouais, et je le remets dans le sens de tout à l'heure, c'est-à-dire plein nord. Je réaffiche le plafond. Pourquoi je vous conseille pas de faire ça, de tourner tout le logement? Parce que si vous avez fait des scènes, comme moi ici, j'ai fait une scène, scène 1, scène 2, scène 3, mais quand vous allez tout tourner, mes points de vue sont déjà prêts. Quand vous allez tout tourner, tourner votre maison, les scènes, elles, ne tournent pas. Donc, il va falloir les refaire. Soit vous refaites vos scènes, soit dès le départ, vous tournez plein sud. Bon, l'un comme l'autre, c'est pas super pratique. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est une petite extension toute petite, toute mini, qui est gratuite et qui s'appelle Nord Solaire, que je vous mets juste dans la description. Allez jeter un coup d'œil. Vous trouverez ça à côté de la formation d'initiation d'ailleurs à SketchUp et à Vray. Et il y aura ce, je vous mets donc le lien vers cette extension. Alors une fois que vous l'avez, vous faites fenêtre, gestionnaire d'extension,
installer l'extension. Alors le bouton sera peut-être pas ici en suivant votre SketchUp. Et vous allez chercher, vous faites ouvrir et vous avez ce nouvel outil. Clic droit qui s'appelle Nord Solaire, qui est là, qui est, voilà, je vous dis tout petit, c'est parce qu'il y a que trois petits pictos, et qui nous permet de régler le soleil différemment. C'est-à-dire qu'on va plus tenir compte de ça. Là, ce qu'il faut faire, c'est juste l'activer. Et maintenant, j'ai trois pictos. Le premier, il me permet d'afficher où se situe le nord. Alors, je vous l'ai dit, là, par défaut, le nord, c'est l'axe vert. Donc, quand je vais cliquer ici, il devient orange. C'est-à-dire que l'axe orange m'indique le nord. C'est une indication visuelle, parce qu'on va le bouger, ce nord. Ce que j'aimerais, c'est le mettre vers l'autre côté. Et ça, le deuxième picto et le troisième picto vont nous servir à ça. Le deuxième, si je clique dessus, j'ai une espèce de petite boussole qui apparaît. Et là, je clique et je bouge. Et on voit que je suis en train de bouger, non pas le soleil, mais je bouge le nord. Voilà, bon, SketchUp a crashé, donc je reprends où l'on était. J'ai affiché le nord dans ce sens-là. Et puis, avec ce deuxième picto, je vais donc définir le nord. Je ne bouge pas le soleil, je bouge le nord. Donc, je vais le placer à l'opposé, c'est-à-dire comme ça, à peu près de l'autre côté. Alors, je pourrais même faire un petit peu de travers, comme ça. Hop. Et je vois que maintenant, mon soleil, il rentre bien. Et si je fais... Alors, la manière de régler reste la même, c'est-à-dire que je vais toujours utiliser les mois de l'année et l'heure, mais au moins, j'ai pu régler ma façade plein sud ou plein est, ou ce que vous voulez, pour faire rentrer la lumière dedans. Ce qui change un peu tout. Voilà, vous voyez, si je bouge, bah, en temps réel, on voit ma lumière à l'intérieur qui... Alors, peut-être pas en temps réel, des fois, il y a un petit délai. Voilà, la lumière qui bouge. Et quand j'affiche le nord, et ben il apparaît, alors je vais le mettre exprès un petit peu comme ça, oblique, il apparaît en orange, en plus des trois axes rouge, vert, bleu que de SketchUp. Le dernier picto, lui, c'est une autre manière de définir le nord, là c'est en degrés, 0 étant l'axe vert, ben là je suis à 161,8 degrés, en gros si je mets ici, je sais pas, 220, hop, il m'a mis le nord par là, ce qui fait que la lumière du sud arrive par là à 7 heures et à ce mois de l'année, encore une fois. Donc c'est vraiment une petite extension super pratique qui s'appelle Nord Solaire. Alors peut-être que vous la trouvez sous le nom aussi anglais de Solar North, mais c'est la même chose. Et gratuite et super pratique, moi je peux plus m'en passer. Maintenant, je vais vous montrer, alors je vais vous montrer dans une deuxième vidéo, vous verrez, parce que je vois qu'on est déjà à pas mal de minutes, donc je vais scinder ça en deux. Donc dans la prochaine vidéo, là, je vais vous montrer dans Vray comment on peut faire fonctionner le soleil. Alors avec ça, évidemment, avec le soleil et le soleil SketchUp, mais aussi avec les nouveautés que propose Vray 5. Et puis on va aussi voir tous les paramètres du soleil ici. Quand vous utilisez Sunlight dans vos réglages, comment on peut régler tout ça, à quoi ça sert en détail. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, des questions, des commentaires comme d'habitude. Et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.